Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IGVote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur key.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les deuxièmes récompenses de la semaine. Les récompenses FUT Champion. Et les gars, l'heure est grave. On a été vraiment maudits hier. J'espère que vous avez vu la vidéo parce qu'elle vaut le coup. Tellement que je suis... de mauvaise foi, agaçant et tout ce que tu veux. Les gars, croyez pas, quand je fais le montage, je suis mort de rire. Et en vrai, j'espère sincèrement que vous prenez mes réactions en décalé. Parce que c'est... Ouais, je sais hein, que j'exagère. Et au final, moi, quand je fais les montages, je suis vraiment mort de rire. Je suis vraiment un phénomène. Et j'espère que c'est ce qui fait mon charme, du moins pour vous. Et du coup, on va s'ouvrir les récompenses FUT Champion. Il faut du lourd, voilà, il faut du lourd. On a fini hors 2. Hors 2 en ayant joué 25 matchs, je crois. Il me restait des matchs. J'ai fait 19 quelque chose, je sais plus, 19-6, un truc comme ça. J'avais pas le temps de finir. Et du coup, c'est bien quand même. On a de bonnes récompenses. Je savais même pas qu'on avait autant de choses. On a 2 joueurs spéciaux sur 4. Donc c'est comme hors 1, c'est la même chose. Un pack or rare, 2 packs méga rares, 45 000 crédits et 2000 points de qualification. Pour FUT Champion, bah écoutez les gars, on est parti. On va bien sûr, comme d'habitude, effectuer le rituel, c'est-à-dire d'aller voir l'équipe de la semaine. J'ai l'impression, les gars, qu'à chaque fois qu'on fait ça, c'est ce qui nous porte chance. Bien sûr, je le dis là, et forcément, on va pas être chanceux. Donc bref, on regarde. Et franchement, c'est peut-être une des premières semaines où il y a clairement plus de la moitié des joueurs qui m'intéressent. Au niveau des attaquants, ils sont tous intéressants. Suarez, Willian et Yago Aspas, c'est très intéressant. Nous avons également Sadio Mané d'intéressant. Nani qui m'intéresse fortement. Sousso qui est très intéressant. Il a une carte énorme, hein. Il a 4 étoiles en plus. En défense, ben, Marquinhos, Godin et Manolas, je prends. Casillas, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein, ça, il a de bonnes stats, hein, Casillas. Il a vraiment de bonnes notes, regardez. 89 de plongeon, 86 de réflexe, 85 de positionnement. C'est franchement lourd. Hein. Après, c'est vrai qu'il n'est pas grand, Casillas. C'est peut-être son défaut. Foster, pourquoi pas pour ma première ligue d'invendable. Hilton, non. Demir B, non. Pato, oui, bien sûr. On prend Giannini en super sub. C'est clairement une tuerie. Il a les 4 étoiles également. Donc, pourquoi pas. Bellarabi, c'est intéressant. Lui, c'est nul. Et le reste, ben Sancho, on prend hein, 5 étoiles, vous le savez. Enfin, j'espère que vous le savez. Enfin, en tout cas, je vous la prends au cas où. Zardes, qui n'est plus 4 étoiles par contre. Hein, Gazi Zardes, il avait 4 étoiles dans les anciens FIFA. Et Sharp, qui pue la merde. Donc, en gros, les gars, pour résumer, il y a juste 4-5 joueurs qui puent la merde. Et le reste, ben, c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Donc, on va aller directement s'ouvrir nos pick players. Vous le savez, c'est des packs que j'adore. Hein, pas parce que c'est nouveau, ben, parce qu'on est chanceux dedans. Donc, on espère que ça continue. Ah, c'est toujours kiffant. Franchement, ces récompenses, je les adore. Et c'est vraiment une bonne chose qu'eSport ait fait ce truc-là. C'est une bonne idée, voilà. Il faut le dire quand c'est bien. Allez, on est parti, les gars. 3, 2, 1. Let's go. On ouvre. Et on va avoir Marquinhos, les gars. Let's go. C'est lourd. Zardes, c'est pas mal. Mais bon, il n'y a pas d'hésitation, les gars. On prend direct Marquinhos. Je vous dis, c'est pack. Définitivement, on est chanceux. Marquinhos, c'est une super carte. Un super défenseur. Et on va le prendre direct. Boum! Allez, c'est bien. Un bon premier choix qu'on va utiliser. En plus, Marquinhos, c'est parfait. Il a le, ben, il a l'hyperlien avec, avec Neymar. Donc, pourquoi pas, dans un petit dispo à 3 défenseurs, le mettre. Et ça va bien nous faciliter la tâche pour nos équipes. Deuxième choix de joueur. Allez, on perd pas de temps. On appuie sur A. Et on va avoir Sousso, les gars. Let's go. Et franchement, c'est pas qu'ils sont vraiment oufissimes. Je le voulais en plus, lui, parce que regardez-moi cette carte phénoménale avec de bonnes stats, vitesse, tir, passe, dribble. Et surtout, c'est un long shooter, hein, tir de loin 95. J'avais guetté sa carte avant et effectivement, il faisait partie de mes choix. Bon, bah les gars, une fois de plus, c'est cool. Voilà, ça sauve les meubles de hier, hein, ces récompenses Division Rivals qui m'ont vraiment pas plu. Deux joueurs à 86 en ayant fini hors 2, je dis oui avec un grand O. Allez, on met dans le club. Et ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va s'ouvrir nos derniers packs. Hein. On en a 3. Et après la vidéo, j'irai ouvrir des packs. Je ne sais pas s'il y en a dans la boutique. Apparemment, non. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera des SBC. Normalement, il y a des grosses affiches de disponibles. Allez, bon, on est parti. Le premier pack, c'est le pack or rare. Franchement, les gars, même si j'ai rien, c'est pas grave. Même si je t'avoue que j'aimerais bien terminer ma grosse team
et notamment y inclure Rivaldo. Même si j'ai peur d'être déçu, Rivaldo, il est deux étoiles du mauvais pied, donc ça, ça peut être un réel problème. Allez, on ouvre le premier. Allez, on aimerait bien voir le bug en bas, là, le petit truc. Non, putain, dommage. Allez, peut-être un boost. Ok, bon, c'est une carte à 83+, un Belge MC. Oh, les gars, let's go, Nainggolan. Putain, et les récompenses Fut Champion, c'est définitivement les meilleures récompenses. Division Rivals à côté, c'est moins bon. Après, peut-être parce que je prends toujours les mêmes. Et aussi, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être de la merde parce que je fais très peu de matchs. Ça, c'est pas impossible. En même temps, logique hein, de récompenser les mecs qui font plus de matchs que ceux qui en font pas. Nainggolan, on va guetter son prix. Je ne sais pas. Ah ouais. Ah ouais, c'est 100K, les gars. Ça, ça me fait plaisir. Franchement, là, on peut pas se plaindre, tu vois. Autant hier, j'ai abusé, mais là, non. Là, on va vraiment pas se plaindre et on va être tout sourire. Forcément, hein, j'ai eu du lourd. C'est cool, les gars, c'est cool. On garde au cas où dans les doublons. On a un joli maillot, le maillot du Chili, qui est très, très beau au passage. On va l'envoyer là-haut et le reste, ben, on va l'envoyer dans le club. Allez, le dernier pack de ces récompenses. Aussi bien, voire mieux, je prends. Mais même si c'est nul, je prends. Allez, on regarde. Est-ce qu'on va avoir une anime? Apparemment, oui. Oh, c'est du boosté, les gars. Ça va être un anglais buteur. Ah, ça va être Warp, je crois, ou chez Sharp. Warp, j'ai dit, ouais. Sharp. Sharp à 78. Bah écoutez, c'est un boost, voilà. C'est toujours des crédits de récupérer. Peut-être, au passage, un petit joueur régulier qui se vend. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire gratter ça. Non, malheureusement, non. Bah écoutez, les gars, c'était de bonnes récompenses. Franchement, ça me fait plaisir. Ça rattrape vraiment... De nos récompenses de Division Rivals hein, qui étaient pour rappel très mauvaises. Ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais finir de trier ces cartes et on se retrouve de suite pour des packs en bonus. Suite de la vidéo les mecs, et on va s'ouvrir ces 5 packs qui nous attendent dans la boutique. On a fait les SBC grosses affiches comme je vous disais. Et du coup on a obtenu des petits packs sympas. Voilà, c'est plus histoire de discuter. C'est des packs vite fait. Voilà, il y a un pack si Prime joueur, je sais pas quoi. Là, il y a tellement de sortes de packs que je suis un petit peu paumé. Oui, donc histoire de discuter les gars, pour vous annoncer qu'enfin le Discord est ouvert. Oh putain, mais il a 50 ans lui. Attendez les gars. Attendez, sérieusement, c'est quoi gros? Il a 55 ans, il joue au foot. Ah ouais, putain, 1979. Alors, attention, je vais calculer. Ah ouais, il a bientôt 40 ans. Respect à lui, franchement, après je rigole, hein, les gars, il faut pas mal le prendre. Hein. Moi, j'ai 38 ans, tu vois. Non, bref, les gars, je disais, le Discord va bientôt, va être ouvert. Là, je vais l'ouvrir vendredi et vous verrez la vidéo vendredi. Donc, on va enfin pouvoir jouer. Mais on jouera pas ce week-end, les gars, parce que je vais quand même essayer de faire fut champion. Et généralement, quand je fais fut champion le week-end, je reste dans un cadre de sérieux, tu vois. Parce que si je commence à skiller avec les abonnés et après reprendre le fut champion, je vais, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu l'inverse. Donc, je pense qu'on jouera à partir de la semaine pro. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, les gars. Je vous le mettrai sûrement dans la description. J'aurai sûrement des modos aussi, et ça je sais pas trop, j'ai pas trop vu. J'ai des noms comme ça, hein, des pistes, tu vois. Mais oh, c'est dommage, Eder il aurait pu être boost, il a mis un doublé ce week-end. Malheureusement, il n'est pas boost, ça a été pas tôt. Mais oui, les gars, donc le Discord sera du coup dispo. N'hésitez pas à le rejoindre. Le but de ce Discord, c'est avant tout de prendre du plaisir, voilà. Vous le savez, ce FIFA est, enfin, depuis longtemps même. Oh! Non, je le voulais. Non, je le voulais. Je le voulais, les gars, let's go. Oh, ça tourne, bordel. Yeah. Oh, putain, la chatte. Eh, je vous mens pas, les gars. Je vous jure que je le voulais. Je vous jure que je le voulais. Je vous jure. Je vais vous prouver maintenant. Parce que regarde, je fais retour et regarde mon équipe. Regarde-le, il est là. Let's go. Je voulais l'acheter et on le pack, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette chatte? Ça tourne, enfin ça tourne. Et je suis super content parce que du coup, j'aurais pas besoin de l'acheter. Et de Réa, c'est une somme, hein, je crois qu'il vaut 100K. Un truc comme ça. J'avais même pas regardé, hein, je l'avais en prêt. J'avais bouffé tous les contrats du joueur de prêt. Et du coup, j'avais prévu de l'acheter. Et il vaut. Oh, il vaut 150K, les gars. Putain, ça fait trop plaisir. Elle est trop belle, hein, quand c'est comme ça. Ça fait plaisir. Donc, en tant qu'à faire, je vous montre mon équipe. Enfin, c'est en projet, voilà, il reste un joueur à acheter, mais bon, j'ai loin d'avoir assez. Du coup, je crois que je vais me rabattre sur d'autres choix. Eh ben les gars, ça fait plaisir, voilà, je sais même plus ce que je disais. On parlait de... Je crois qu'on parlait du Discord, ouais, donc n'hésitez pas à le rejoindre.
si vous voulez pas vous prendre la tête en fait. Voilà, on va s'amuser dessus, on pack encore des panneaux argentins MOC. Ça va être Banega, bon ça c'est pas terrible. Mais ouais, vous rejoignez, voilà, soyez, venez, venez, franchement. Le but c'est de s'amuser, de skiller, il n'y a pas de prise de tête, il y aura des thèmes. J'organiserai des matchs genre avec des équipes à 75 de gêne. Enfin, c'est un exemple que je te donne, tu vois, mais le but ça sera vraiment de s'amuser et aussi d'exploiter ces joueurs qu'on n'utilise pas, tu vois. Parce que c'est vrai que maintenant, le but c'est uniquement de gagner et... dans tous les modes Divri Balls et Fut Champion, t'es obligé de viser que des grosses équipes et je trouve ça dommage parce que t'as 50 000 joueurs dans le jeu, tu vois. Et autant essayer de les exploiter, ces joueurs, en s'amusant, voilà. C'est le but de ce Discord, donc tu rejoins, voilà. Tu discutes pas, tu viens directement et ça me fera plaisir. Allez, le dernier pack de ces packs bonus, ça sera Ismaili, les gars. Elle est belle, franchement. C'est le feu, on a eu la chatte et ça fait plaisir de faire autre chose que se plaindre. En tout cas, j'espère les gars que la vidéo vous a plu. Rendez-vous demain ou dimanche. Je ne sais pas si demain il y aura une vidéo parce que j'aurai peut-être pas le temps. En tout cas, je vous tiens au courant sur Twitter. Et puis voilà, allez sur ce les gars, je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée à vous. Je ne sais pas quand je mettrai la vidéo. Enfin bref, tu m'as compris. Allez, ciao tout le monde.